Ask and lambano. Il a dit demande et lambano. Alléluia. Alléluia. Are you getting it? Est-ce que vous comprenez? You know, some people ask and ask again for the same thing. Vous savez, certaines personnes demandent encore et encore la même chose. Jesus was careful. Jésus faisait attention. He didn't say ask and stop there. Il n'a pas dit demande et arrête-toi là. Some people ask and go without it. Certaines personnes demandent et s'en vont sans ce qu'ils ont demandé. I told you, I explained to you. Je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué. The difference between Dekomai and Lambano. La différence entre Lambano et Dekomai. The guy who's asking. Celui qui demandait. To Dekomai is the one who says. À travers Dekomai, c'est celui qui dit. Father, I ask whatever it is he's asking for. Père, je te le demande, peu importe ce qu'il est en train de demander. He injects it in there and then, amen. Il injecte ça dans la prière et ensuite, amen. He didn't receive. Il n'a pas reçu. So he goes, I just thank God for everything. Alors, il s'en va. Je remercie Dieu pour toutes choses. I believe it is done. He didn't receive. Je crois que ça a été fait. Il n'a pas reçu. He didn't. Il ne l'a pas reçu. Dekomai means to receive as though. Dekomai signifie recevoir. Somebody is giving you a parcel, a letter. You know you are staying there. Comme si quelqu'un te donne un colis ou une lettre. And then the mailman comes to drop it in your hands. C'est comme si le facteur vient et il dépose cela dans ta main. And then he leaves. That's Dekomai. Et ensuite il s'en va. Ça c'est Dekomai. Lambano means. Lambano signifie. Alléluia. Alléluia. In our receiving the Holy Spirit, he doesn't use the Dekomai. Dans notre réception du Saint-Esprit, il n'utilise pas de Dekomai. In our receiving salvation, he uses the Dekomai. Dans notre réception du salut, il utilise de Dekomai. Because he comes to give up to us what we were not asking for, salvation. Il vient nous donner ce que nous n'avons pas demandé, le salut. But when he talks about receiving the Holy Spirit, the anointing. Mais lorsqu'il s'agit de recevoir le Saint-Esprit, l'onction, he uses lambano. Il utilise lambano. Lambano means to take it. Lambano signifie prends-le. Now, if you were expecting a child. Maintenant, si tu attends un enfant. You've been praying and praying. Tu vas prier. Instead of every time you pray, oh Lord, when will you answer my prayer? Au lieu de oh Seigneur, quand est-ce que tu vas exaucer ma prière? Take it. And when you take it, you say, in the name of Jesus, I receive. Non, prends-le. Et quand tu le prends, tu dis, au nom de Jésus, je reçois. Hallelujah. Alléluia. And right after that, et après cela, what you do is this. Voici ce que tu dois faire. You start testifying. Tu commences à témoigner. Don't let those unbelieving believers, ne laisse pas ces incroyants. Negative programmers come around you and ask you foolish questions. Ces programmeurs négatifs venir autour de toi et te poser des questions idiotes. Learn how to answer them rightly. Apprends à leur répondre. Sister, is there any sign at all? Ma sœur, est-ce que tu as un signe? Est-ce que tu as reçu un signe? Don't say I'm waiting for no sign. It's coming already. Dis-lui non, je n'attends aucun signe. Ça arrive déjà. It's coming already. Hallelujah. Ça arrive déjà. When you receive from God, you must act like it. Quand tu reçois de Dieu, tu dois agir en conséquence. That's what Jesus said. He said, up till now, you have asked nothing in my name. C'est pour cela que Jésus a dit, vous n'avez rien demandé en mon nom. He said, ask and lambano. Il a dit, demandez et lambano. Ask and take it. Demandez et prenez. He said, when you ask, collect it. Il a dit, quand tu demandes, prends-le. And if you have actually taken it, you start acting like it. Et si tu l'as vraiment pris, tu commences à agir en conséquence. It's done. Ça a été fait. Let me tell you, when you start acting your faith, quand tu commences à agir selon ta foi, you may look foolish for 5 minutes. Tu vas sembler idiot pendant 5 minutes. But if you don't act your faith, mais si tu n'agis pas selon ta foi, you may be foolish forever. Tu auras l'air stupide toute ta vie.
Did you hear what I said? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Look at blind Bartimaeus. Blind Bartimaeus was crying out. Regardez l'aveugle Bartimée. Jesus, son of David, have mercy on me. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. They said, shut up. The master passed by. Et on lui a dit, tais-toi. Le maître est en train de passer. The Bible says he raised his voice louder. Jesus, son of David, have mercy on me. La Bible dit qu'il a crié encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Let me tell you a story. Laissez-moi vous raconter une histoire. Some years ago, I went on a crusade, many years ago. Il y a quelques années, je suis allé à une croisade. And, in that crusade, I said, et à cette croisade, j'avais dit, everybody who cannot walk, come forward. Tous ceux qui ne peuvent pas marcher, venez devant. I wanted to pray for those who couldn't walk. Je voulais prier pour ceux qui ne peuvent pas marcher. A lady, I had preached on blind Bartimaeus. Et une dame, j'avais prêché sur l'aveugle Bartimée. So, a lady who was blind, une dame qui était aveugle, raised her stick and she started yelling out. Elle a soulevé son bâton et elle a commencé à crier. Jesus, open my eyes. Jésus, ouvre mes yeux. And she was using her stick to find her way. Elle utilisait son bâton pour s'avancer. Jesus, open my eyes. Jésus, ouvre mes yeux. I said, I mean those who cannot walk. Et j'ai dit, je veux parler de ceux qui ne peuvent pas marcher. Jesus, open my eyes. Jésus, ouvre mes yeux. And she was coming to the front. Jesus, open my eyes. Et elle était en train de venir devant. Jésus, ouvre mes yeux. The usher couldn't stop her. Jesus, open my eyes. Les protocoleurs n'arrivaient pas à l'arrêter. Jésus, ouvre mes yeux. As the meeting went up and we're praising God, her two eyes opened up. Lorsque nous étions en train de louer Dieu, ses yeux se sont ouverts. Hallelujah. She could not be stopped. Elle ne pouvait pas être stoppée. Are you still there? Est-ce que vous êtes toujours là? I said, when you act in your faith, you may look foolish. Quand tu agis selon ta foi, tu sembleras stupide. It may look like a shameful thing. Peut-être que ça fait honte. But it's for the moment. Mais c'est juste pour le moment. Wait until you get what you're asking for. Attends que tu aies ce que tu as demandé. I was told about a lady coming for one of our meetings. Une dame qui était venue à l'une de nos croisades. And she said to the cameraman, record me now. Elle a dit au caméraman, filme-moi maintenant. She said, record me now. Elle a dit, filme-moi maintenant. He said, because when I go into that meeting, I'm going to be different. Parce que quand je vais rentrer là maintenant, je serai différente. So record me now, glory to God. Donc enregistre-moi maintenant. Give him praise, somebody. Louez-le. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Hallelujah. Alléluia. I'm making progress. I'm moving forward. Je fais des progrès. J'avance. I'm getting greater by the day. Greater by the day. Je m'améliore de jour en jour. De jour en jour. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord, somebody.